Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike. Et aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale, une vidéo unboxing. Donc une vidéo où je vais ouvrir trois choses. Un pied de micro, un micro et une wing light. Donc une wing light, c'est une lampe ronde tout simplement pour éclairer mon visage pendant lors de mes lives. Donc voilà, c'est tout pour améliorer le setup, c'est pour améliorer la chaîne. Donc voilà, je tiens tout particulièrement à remercier, avant de faire cet unboxing, à remercier les donateurs bien sûr. Et tout particulièrement Drop Dead Boy, Johnny 34, Audrey Marley, Amnesia, Blackfire, 187 Code Alpha, Loïc Aymon, Donovan, Flavin Game, Stéphane et The Last 57. Donc voilà, un grand merci à vous tous parce que c'est grâce à vous que ces colis sont arrivés. Donc j'ai mis du temps à les ouvrir parce qu'en fait, en réalité, il me manquait une chose, un anti-pop. Que je dois mettre devant le micro mais que je n'ai pas. Donc je devais le recevoir normalement aujourd'hui le 7 décembre, mais j'ai toujours rien. Donc voilà, j'en ai marre d'attendre. Donc voilà. Alors on va faire l'unboxing maintenant, comme ça je vais pouvoir déjà profiter du micro, du pied et de la wing light. Première chose qu'on va faire, c'est déballer ces grosses boîtes. Et voilà, c'est déballé. Donc le pied, le micro et la lampe ronde. Donc il faut savoir que c'est Drop Dead Boy qui m'a conseillé tous ces achats. Et je tiens vraiment à te remercier poteau pour tout le soutien que tu m'apportes, toute la motivation que tu m'apportes. Franchement, t'es un tueur, t'iras loin sur YouTube et je te conseille de continuer poteau. Je te suivrai poteau. Alors bah voilà, tout simplement on va regarder un peu ce que... On va commencer d'abord par le pied. Le pied. Et on verra bien ce qu'il nous réserve. Donc voilà, ça c'est le pied. Je sais pas du tout comment ça se monte parce que voilà, moi je ne connais pas du tout en pied. Donc je verrai bien tout ça par après. Je vais sûrement demander un petit coup de main à Drop Dead Boy. Donc pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai acheté, ben je mettrai tout dans la description. Je mettrai des liens vers les trucs d'achat si jamais vous êtes intéressé. Donc le pied, ben, je vous le montrerai sûrement au final quand j'aurai fini de le monter. Donc, je vais le laisser de côté. Donc maintenant on va ouvrir le micro. Donc le micro, ben c'est aussi Drop Dead Boy qui m'a conseillé pour tout hein, de toute façon. Et j'espère que, oh là là, une petite pochette et tout, ça fait plaisir. Donc regardez même la ring light, j'étais choqué quand j'ai ouvert la boîte. Il y a une sacoche et tout avec, franchement c'est super classe. Donc ok. Alors en micro, je n'y connais pas du tout non plus. Mais je pense qu'il est super bien, je pense qu'il va faire le taf. Il faudra que je lise tout ça, le manuel avant. Et voilà, un tout beau micro Auna. Donc sûrement que je vais devoir placer à l'intérieur de ça. Voilà. Sûrement avec le pied qui ira là. Ouais. Et voilà le pop-up que j'ai pas, ben c'est pas grave. 1, 2, 1, 2. C'est soit cool ou Mike, mes gueux. Donc voilà, trop stylé. Merci encore, un grand merci à vous. Donc la petite pochette que je vais utiliser quand je transporterai tout simplement ben, le micro. Et là, est-ce qu'il est à l'endroit? Ok, ça s'ouvre comme ça, ok. Donc ça, la lampe, la fameuse lampe, qui vous fait un effet d'un arrondi dans les yeux. Donc Drop Dead Boy m'a dit que c'était pas très utile, mais j'ai toujours kiffé d'en avoir une. Parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez Prime, c'est un youtubeur avec 1 million d'abonnés, et franchement, je le kiffe de ouf. Il a, en plus, il a un trop bon style et tout. Et en fait, il se filme avec une lampe comme ça, une lampe ronde, et dans ses yeux, ça lui fait un rond lumineux super bien, quoi. Donc c'est trop classe, moi, je trouve que c'est trop classe. Ok, donc apparemment, il y a plusieurs ronds. Je vais pouvoir changer, peut-être pour donner un effet plus orangé apparemment, ça a l'air orange, rouge, rose. Donc voilà, là j'ai toutes les pièces, j'ai la lampe, le micro et le pied. Donc maintenant je vais devoir aller installer tout ça. Et je vous ferai un petit aperçu quand j'aurai tout branché, bah, tout monté, un peu à la va-vite. C'est comme vous pouvez le voir, mon LED derrière, faites pas attention, il est pas très droit. Je vais régler ça plus tard, MDR. Donc c'est ça, je m'en servais bah, pour mon éclairage. On verra bien si cet éclairage là sera suffisant ou s'il faudra encore que j'utilise les LED qui changent de couleur. Comme vous pouvez voir, parfois c'est blanc, parfois c'est vert. Ils sont dysfonctionnels. Donc voilà. Alors je vous dis à tout de suite ben, quand j'aurai monté tout ça. Wesh les potos, tranquille ou quoi? Non mais voilà, en fait j'ai tout monté. Donc le micro, je vais le tester là maintenant tout de suite avec ce câble là. Normalement ça devrait être nickel. Sauf qu'il n'y a pas de bouton on off. Tout ça, j'aurais bien aimé pour pouvoir
muter dès que voilà, je sais pas, j'ai envie de péter, bah, j'ai envie de muter quoi, tu vois. Il faudrait que je le fasse avec la souris. Donc ça c'est un petit inconvénient, mais sinon il a l'air bien. Et apparemment il y aurait une lumière à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors le pied, il s'est fixé tout tranquille au bureau. C'était assez simple à monter, franchement tranquille. Donc il est flexible et tout. Je peux le tourner, mais il pivote pas super bien. Après, je me suis jamais servi d'un bras comme ça, donc il va falloir que je m'habitue. Donc là, je l'ai mis vers vous, mais il faudra que je le mette vers moi. Voilà, comme ça. Donc, calme. Donc voilà. Et pour la lampe, en fait, j'ai un petit problème parce qu'en fait, il y a une prise comme ça. Et moi, je sais pas comment ça fonctionne, ce truc-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander votre aide. Et je vais demander aussi à Drop Dead Boy, bon, à mon avis, il va sûrement me dire. Mais je suis sûr qu'il y a des petits experts qui vont m'expliquer à quoi ça sert et qu'est-ce que je peux prendre en alternatif. Parce qu'en fait, ça c'est le secteur et ça c'est la prise d'alimentation. Je suppose que le secteur, donc ça l'adaptateur, il gère l'électricité qu'on lui donne. Donc je suppose que même je prendrais une prise normale, ce que je vais demander à Drop Dead Boy, donc une prise avec 3 points, tout simplement une prise comme ça. Et je pense que je vais pouvoir la brancher à une alimentation normale et que j'aurai pas besoin de cette prise là. Mais par contre, ils m'ont pas fourni une alimentation normale, donc je vais peut-être devoir aller en acheter un ou alors trouver un adaptateur directement à cet embout là. Mais je pense pas que cet embout là soit nécessaire en fait, parce que l'adaptateur qui gère les volts, il est là, c'est du 240 volts, donc du 50 à 60 Hz. Donc voilà, donc ça c'est le petit inconvénient. Mais je pourrais même pas encore tester ma lampe, je suis un peu déçu pour ça. Mais voilà, je suis quand même satisfait pour mon micro et mon pied. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont fait des dons, merci à tous ceux qui me soutiennent. Un grand merci à toi Drop Dead Boy, parce que c'est beaucoup grâce à toi que j'évolue bien, grâce à ton soutien, grâce à tes conseils et à ta motivation. Donc franchement, un grand merci à vous tous. Pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai un bonnet sur la tête, c'est tout simplement parce que ma mère m'en a acheté un il y a 2-3 jours. Et depuis, il est inséparable. Je peux pas m'en séparer parce que franchement, il est trop doux. À l'intérieur, c'est comme un plaid. Mon petit plaid à poids là. C'est comme mon petit plaid à poids. Il est trop doux. Alors il tient chaud. Ouais, bon, c'est le plaid à ma femme. Quoi. Alors je tiens aussi à remercier ma belle et succulente femme que j'aime et que je vais aller faire du coït avec juste après. Non, je rigole. Donc merci à toi d'avoir filmé, mon amour. Je t'aime. Gros bisous. Et merci à tout le monde de votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.